sommes de retour pour ce samedi chaud sur le canapé avec Evan Sizi, le biscuit et sa femme. Biscuit. Toujours seul. Jésus. Bon. Oh, je suis en retard. Toujours toi. À cause de courir dans les allées là, y a mais je suis. Tellement tu es un béret. Vraiment, Yako. Mais attends, ici la vie, y a quoi? Ah, mon cher. Elle, elle est où? Elle est pas là. Dame vague. Elle est pas là, mon cher. Mais j'ai invité une autre gentille demoiselle, très belle, très gracieuse, qui va nous aider à venir lancer. Non. Elle va faire les belles choses aussi avec nous. Elle va nous développer et déployer les poteaux, les topos. C'est qui me parle, tu fais ta la couleur. Ah, faut la finir. Ah, c'est qui? Le désir. Elle s'appelle Désir. Eh, c'est qui? Oh, c'est celle qui chante là. Bah, il va le tirer de vos dailles. On dit quoi? Allez, tu as commencé à chanter. Tu as commencé à chanter, il faut bien faire en même temps. Tu dis quoi? Tu as commencé à chanter, il fallait continuer. Il va falloir arrêter ça, va te faire mon souci. Bonsoir, chouchou. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien comme d'habitude. Dagou, bon bébé, c'est pas ce que merci. Tu crois. Mm-hmm. Alors, bonne arrivée au canapé des affairés. Tu es prête? Je suis prête plus que jamais. Tu es prête? En tout cas, si tu fais pas les choses, on te fait au chaud. Allons-y. Moi, je vais te réchauffer, bébé. T'inquiète. Attends le topo. Faut lancer. Didi B rend hommage à DJ Arafat. Il a posté et publié en fait sa dernière chanson, son dernier tube, qui est un hommage à Yoro, en fait. Donc c'est Arafat 2.0, je pense. Donc le son est chic, c'est bien moulant, tout ça, voilà. Donc big up à toi, Didi. Mais attends, il dit, hein? il a fait hommage à Arafat là. Faut pas mon idole va se fâcher. C'est qui ton idole là? C'est qui? Quel temps à faire de Arafat seulement là? Ah. C'est qui? Lady Glamour, Tina Glamour, tu la connais? Elle a fini à dégamer. Tu la connais? Moi j'aime bien. T'as dit que tu connais pas Tina Glamour. Elle a appelé. Maman Tina, si tu m'entends là, il est en train de te critiquer ici. Hein. Moi? Il dit les choses sur toi. Moi-même. Moi si je te connais, toi la fille de la tata. Je ne sais pas. Je n'ai jamais. Tu la connais? Je n'ai jamais dit ça. Ah, maman, ah, toi aussi, bébé, bisous. Okay. Oui, donc, oui, tu as aimé la chanson aussi? J'ai aimé la chanson, je trouve que c'est une très belle chanson. Absolument. Que j'ai dit après, j'ai pas force pour le reste. En tout cas, big up à Didi B. Et surtout, n'oubliez pas, 27 mai, la release party pour l'album, on est ensemble. Let's go. En tout cas, moi, il m'envoie ma robe là-bas ce jour-là. Au chaud. Carmen Sama cherche nouveau mari. Oh. C'est pas ça, tu viens pas me blesser. Qu'est-ce que Carmen Sama cherche nouveau mari. Attendez. C'est mélangé. Quoi? Carmen Sama cherche nouveau mari. Tu as bien entendu. Mais l'histoire du gars qui a Doudou là, à Portipota là. Qui ça? Kader, je sais pas, et puis à Chidi qui Djabaté, tout ça là. Ouh, ça là, il connaît pas les. Je comprends pas même. Mais en tout cas, là, ma soeur, moi, je peux pas te défendre parce que la fois dernière, je t'ai défendu, mais ça, là, tu dis, tu cherches ton mari. Qu'est-ce que tu en penses? Par contre, c'est toi, tu vois son comment. Elle cherche quoi? Est-ce que Marie, là, c'est. Marie, elle s'est baissée partout. Ça dépend de quel genre de mari elle cherche. Sinon, pour avoir Marie, là, on peut pas penser. Question. Très bon point. Chérie, tu ne cherches pas Marie, tu cherches Marie qui a l'argent. C'est ce que ma grande. Mais excusez, c'est ce qu'elle a dit là que moi. Non, c'est ce que j'ai dit. Sinon, il n'y a rien de ça. Sinon, on te regarde là. Moi, même si il regarde dans mon village, il y a beaucoup qui peuvent te prendre. Mais c'est toi, tu as accepté. Oh? En fait. Oh? Tu cherches les gens qui ont le pôle, le loup pôle. Les... Nous, on n'a rien seulement. Sinon, tu sais que. En tout cas, je t'adore, belle forme à toi. Est-ce que rien peut payer pour voyager en Turquie pour refaire ses dents? On sait jamais, oh! Ah, j'ai dit que. Bims! Aujourd'hui, là, le topo. Allo, ça! Oh, au chaud! Allo, ça! René Caillé dans Miss Côte d'Ivoire 2022. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire-là? Attends. le monde est méchant. La Miss qui a fait Miss Côte d'Ivoire, elle était Miss à, dans quelle ville en 2016? Elle a fait Miss Côte d'Ivoire 6 ans. Là. Il te dit, mon frère. Elle a fait maternelle, CPL, ce deuxième, je ne sais pas, elle dit quoi là. Elle, toi, à ton âge, là. À ton âge, tu as commencé à faire Miss Côte d'Ivoire à 20 ans. En 2022, toi tu fais Miss Côte d'Ivoire encore, c'est-à-dire même là, tu as 26 ans cette année, toi tu t'en luttes Miss Côte d'Ivoire. Toi tu penses que c'est pouponnier. I don't get it. Tu as chargé Miss Côte d'Ivoire sur ta tête, tu vas venir dire que non, que c'est chaud. I don't get it. Tu fais Miss 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, on va faire Miss Côte, 2008, 2020, on fait, 2021, ils ont fait. Tu vas venir faire 2022 encore. Pardon, faut faire doucement un peu. Pardon, hé, vraiment. En fait, c'est son rêve d'enfant.
Quelquefois, bon. En tout cas, il faut savoir que j'apprécie ta persévérance. Hein, parce que vraiment, t'as même poteau, zika. Tu pas vraiment. Elle est mauvaise comment? Tu fais fort. Vraiment. Pour moi, même, chez moi, c'était une belle mission. Elle bon. Après, je dis, c'est une belle mission, mais je sais pas. Tu as, mamie, elle a fait René Caillé. Tu joues ballon bien, tu es Messi. Mais tu es Cristiano. Faut doser un peu. Mais il y a quoi? Science, on n'est pas des enfants. Mais mon cher, en tout cas, c'était un peu ça. Il était raté. Hey. Prochain topo. Allons ça. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais Coco Emilia Biscuit de Mer a clashé leur nouvelle Miss. Ça c'est elle une. Elle a dit. Coco Emilia Biscuit de Mer. Coco Emilia Biscuit de Mer. C'est pas ce qu'ils l'ont marié 6 mois après l'ont divorcé là. C'est moi, je sais pas. Je sais qu'elle avait coupé Emilia Biscuit de Mer. I don't understand. Ne sais pas s'exprimer. Ah, hein? Moi, ce que j'ai pas compris. Hein? Moi, je sais pourquoi Emilia, c'est une belle femme. Elle est belle. Bien sûr. On l'a même vue là-bas. Peut-être que c'était son rêve d'enfant. Tu sais, quand tu as eu quelque chose que tu n'as pas pu réaliser là, quand quelqu'un d'autre fait ça, te fait mal. Mais ça aussi. Elle est toute la beauté du monde. Mais tu n'as pas fait Miss là aussi. Laisse-la, Miss, elle va s'épanouir. Mon cher, c'est mon biscuit aussi. Je suis un biscuit de savane, c'est un biscuit de mer. Nous sommes très virulents comme nous. Quand on n'aime pas. Oh. Donc, si tu as marié femme, ils vont te divorcer à 6 mois. Mais il y a des biscuits là-haut. Il y a un truc que moi, j'ai jamais compris. Quand on met dans la messe, même biscuit dans l'eau, ça fond. Ça dépend de comment tu produis le biscuit en question. Hein. Parce que moi, j'ai un biscuit de qualité. Dans la saveur, ça ne se fond pas, par exemple, n'est-ce pas? Donc, ça va te passer. Il n'y a pas de danger. Prochain topo. Emma Loes, KS Bloom. Pardon, ça, on est mieux pour vous parler de toi. Aïe. Pourquoi? Pour lui. Il n'est pas long boué. Dési, qu'est-ce que tu en sais? Alors moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un CD qui était mis aux enchères. Un CD? Un CD, oui, qui a été mis aux enchères lors du concert de KS Bloom. Ah, ok. Voilà. Mais franchement, ce dont je me souviens, c'est que Emma est montée sur scène de sa plus belle tenue. Il y avait les foufous en bas, elle était pour balayer la piste là. Là, je regarde, je n'ai pas compris, mais bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, ça. C'est le fait qu'elle soit allée dire qu'elle allait prendre le CD à 5 millions. Ok, si, les gens, l'argent des. Des semaines passent, des mois passent, les 5 millions ne sont pas perçus. Donc moi, je n'ai pas dit, mais Internet a dit que tu as dit que tu vas payer le CD à 5 millions. Pourquoi depuis, l'argent n'est pas encore venu? Voilà. Et les gens vont plus loin en disant que ça ressemble à du paflotage. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Internet qui a dit. C'est ce que j'ai lu quand je redis. Donc, vous voulez dire quoi sur ma maman Emma Lolo? Non, c'est pas vous, je dis ce qu'Internet dit. Moi, je retrouve. Vous, les gens d'Internet, vous voulez dire quoi sur Emma Lolo? Ça, elle n'a pas dit de ça. Fin dit maman quoi? Arrêtez ça. Ozoa a dit quoi? Ozoa a répondu en disant que Emma n'a pas payé pour la simple et bonne raison qu'il y a eu deux CD au lieu d'un. Ça se fait pas. Il n'a jamais été dans le coin de vente aux enchères. Mais ce que je sais, c'est que quand tu dis que tu payes quelque chose, tu payes. Ah, en fait, vente aux enchères à la base, moi, c'est une seule pièce. Comme on est ivoirien, généralement, bon, si c'était une fille bêtée, j'allais dire, pas nous les bêtés, on aime se faire voir. Mais comment elle n'est pas bêtée, elle n'aime pas se faire voir. Nandré! Donc, c'est bien sûr. C'est quoi? Afin d'Emmanuel, ça, on n'a qu'à laisser. Moi, je l'aime. Quand vous avez parlé comme cela, moi, ça me touche. Nous tous, on l'aime, hein? Nous tous, on l'aime, c'est notre grande sœur. Moi, il n'est pas de à faire là. C'est qu'est sur les réseaux sociaux. C'est vous qui savez tout. Votre enchère là, moi, pas l'un de ça. En tout cas, je t'aime. Mon anniversaire, c'est le futur d'octobre. 5 millions là. Prochainement, tu peux m'envoyer ça. Moi, je veux une visite à Campi 17. Mais 5 millions, on n'a pas vu tant de promesses. Aïe, on sait jamais. Peut-être que moi, ça sortit. Ah, c'est bon. Alors, c'est pas parce qu'elle ne les a pas. Hein. C'est pas parce qu'elle ne les a pas. Ah. Mais en réalité, c'est parce que ça n'a pas été perçu et les gens n'ont pas compris. Clairement. Internet a un peu paniqué. Voilà. Dosez, hein, les gars. Ah, c'est bon maintenant. Ah. Alors, ça. Alors, c'est fini pour le canapé des Antilles. C'est fini, oh. Aïe, pourquoi pas? Il y a mal de topo à vous, femme. Hein? Je dois casser deux bons topos. Ah non, c'est ça. Tu n'es pas au courant? Non, pas au courant. Nous t'écoutons. Il paraît que la deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021, celle qui a lutté au courant avec Olivia Yassi, la métisse là, Kenza, il ne sait pas, c'est qu'elle est sûre. Il paraît que là, elle a eu ballon d'eau africain. C'est faux. Il paraît qu'elle en sait. Tu me blagues. Comment qu'elle s'est pétée là? Tellement que c'est pété de malade de ouf là. Oh. Elle est dans son mandat puis elle tombe enceinte. Ah, c'est que là, ma chérie, tu es mauvaise. Hein? Mais ça là, vous avez vu ça où ça même? Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Eh!
Bon. Parce qu'ils ont fait Photoshop pour augmenter son compte. Qui est sûrement y a vu. Vous, les sages-femmes, là, vraiment, si c'est la vérité, dites-nous en tout cas. Parce que bon. Moi les sorciers, moi, j'ai fini de parler. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es dans ton mandat ou bien ma grande soeur. Grossesse, ce n'est pas maladie. Donc, moi, vraiment, ça ne me dérange pas. Ah, vraiment. Mais elle est dans son mandat, elle ne peut pas prendre grossesse. Mais dans mandat, ça fait quoi avec quelqu'un? Ah, c'est un point aussi. Mais si tu as grossesse, en tout cas, ma chérie, bonne chance. Mais Nédi Kevon, toi, tu as beaucoup de TikTok. Hein? Tu n'as pas vu la vidéo des Doxy, Yahoo, là? Mes petits, mes petits. Ça veut dire, mais t'es gossé, tu vas me gossé, ta grosse bouche. Eh, la grosse Edo, vraiment, elle était une des filles. Eh. Eh. Quand les gens font TikTok, il y a du monde, mais il n'arrive pas à faire. Qui est réunir jusqu'en. Folie. Non, c'était à cause de quoi, petit, Dubaï, portable, petit là encore. C'était pour un truc. C'était pour un autre truc. Actuellement, là, ça fait fois sur TikTok. Pour parler, vas-y. Pourquoi tu cherches collègue? Assumer, non, moi je ne suis pas collègue, je dis juste. C'est... Non, je demande en fait la provenance du bohème en question. Mais tu sais où c'est quitté. Il fait ton titre d'amitié. Il doit voir qu'on c'est les papatos. Faut nous dire. Vas-y, Jésus. Dis-moi tout. Oui, il ne soit pas porté. Moi, ce que je n'ai pas compris. Non, c'est pas porté. C'est que quand porté a commencé, personne ne lui a posé question. C'est elle-même qui avait s'est jetée. Ah, ça aussi, ma chère. C'est qu'elle pleure vite. Moi, c'est une dame que j'adore. Franchement. Elle est vraiment sans façon. Mais sa façon de faire, en tout cas, ça fait rire. Mais... Franchement, mais en tout cas. Mais mon mère est douleur, elle a bassé. Ah, faut comprendre que. Elle a bassé de malade. T'as vu, tu sais, même qu'il y a une chose, on appelle ça comme à Dubaï, là, qui est comme cela, là. C'est comme bassé des doigts, c'est. Toi. Il est mauvais, comme ma chaussure est coupée, là. Ah, ouais. Faut aller gérer ça, pardon. Nous, moi et puis Désir, on va se gérer ça.